Yo YouTube, I'm back. YouTube, it's your girl Wisfin, aka Black Girl, you know what I'm saying? Period. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, ça se voit aussi sur mes cheveux, que je vais vous montrer comment je lisse mes cheveux. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé quand même. Donc je me suis dit pourquoi pas vous la faire, et en plus ça faisait un peu longtemps que j'avais pas lissé mes cheveux. Donc voilà, donc sans plus tarder les gars, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Donc guys, premièrement j'ai lavé mes cheveux, donc j'ai lavé mes cheveux avec lavez-vous les cheveux avec vos shampoings après shampoing de base. Donc là je vais mettre mon protecteur de chaleur, c'est le Revolution Air Treatment. Donc une fois que j'ai mis ça, je vais venir me prendre mon sèche-cheveux. C'est celui d'Action, le mien. Mais vous pouvez prendre n'importe lequel. Je vais venir faire un brushing sur mes cheveux un par un. Je préfère les séparer un par un, comme ça le lissage il est encore beaucoup mieux. Donc guys, comme vous pouvez voir, j'ai fini de faire mon brushing. Donc voilà comment ils sont mes cheveux. Mes cheveux, ils ont l'air grave volumineux, mais en vrai, vous allez voir ici qu'ils sont pas vraiment... J'ai pas beaucoup de volume en fait. Du coup, voilà. Donc je vais vous montrer quel lisseur que j'utilise pour lisser mes cheveux. J'en utilise deux. J'ai d'abord le Demi-Lisse, celui-là. Il est comme ça, avec, vous avez les petites dents là. Les petites dents comme ça, et moi je préfère lisser avec ça parce que en même temps ça permet de bien peigner et tout, genre si j'ai des nœuds bah ça va bien les peigner en même temps avec la chaleur. Et j'utilise ça, et vu que c'est assez gros, comme vous pouvez voir c'est gros, bah pour bien prendre ma racine j'utilise le Babyliss. Il est comme ça, c'est normal, il est basique. Ça c'est pour bien prendre la racine et que ma racine elle soit bien lisse et que ça fasse propre. Donc j'utilise ces deux-là. Avant de lisser mes cheveux, je protège encore mes cheveux avec le protecteur de chaleur Olive Oil. Et après, pour un effet un peu lisse, brillant, j'utilise cette huile-là de L'Oréal Professionnel. C'est une huile de brushing perfectrice de brillance pour me donner un peu de la brillance sur mes cheveux. Et voilà. J'en mets pas trop parce que l'huile c'est gras et après ça va faire un effet trop gras et trop... pas beau, j'en mets pas de ouf. Here.
Donc, guys, j'ai fini de lisser mes cheveux, donc voici le résultat. Je vais vous montrer un peu comment ils sont gras. Vous voyez comment ils sont bien souples, ils sont bien fluides. Mais de base, en fait, je lisse. Quand je lisse mes cheveux, je les laisse jamais détachés parce que ça me va pas. Je préfère les attacher, mais là, c'était juste pour vous montrer ma routine et comment mes cheveux ils sont fluides. Et après, je vais les attacher, je vais faire une petite coupe après. Mais voici comment mes cheveux sont. Ils sont super, vous voyez, regardez, fluides. Bon, je sais pas le faire le truc, mais voilà, là vous voyez un peu comment ils sont fluides. On dirait limite j'ai fait un lissage, un défrisage ou truc, mais vous avez vu la routine que j'ai fait, mais rien, genre c'est trop beau. Malheureusement, j'ai pas assez de volume, voilà pourquoi j'ai détaille pas, mais j'aime trop. Mais ça me donne envie de vraiment de faire un carré, mais j'ai trop peur, genre. Vu que mes cheveux ils ont poussé en plus, il m'arrive à là. J'ai pas envie de couper. Mais voilà la routine. Voilà comment je lisse mes cheveux. Bon guys, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux si c'est pas encore fait. Parce que je suis cool. Il n'y a pas plus cool que moi. Puis. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye guys. Thank you.